Oh, voilà, pardon. Salut à tous. Action-réaction. Écoutez, on va se lancer. Alors, pour ceux qui me demandent pourquoi, mais pourquoi? Parce qu'en fait, en Israël, c'est Pourim dans 2 jours. Et du coup, j'essaye un peu toutes les tenues, les perruques, les casquettes, les déguisements. Donc, c'est très sympa. Même les adultes, ils se déguisent dans la rue. Et même au boulot, c'est incroyable. D'ailleurs, dans 2 jours, je vais aller en studio déguisé. C'est exactement ce qu'il nous faut pour garder de la bonne humeur et être jeune dans son corps. Bref, parole is possible. C'est tout simplement un retour aux sources, le karaoké, la chanson française. Alors, j'ai mis sur Facebook un petit message. Parole is possible. Donnez-moi une chanson française plus un thème qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, si vous me donnez, c'est un beau roman de Michel Fugain, vous me donnez un thème qui est par exemple nettoyer les toilettes et je vous referai des paroles. Qui colle à votre thème sur les chansons de Michel Fugain. Ne me donnez pas celui-là, c'était un mauvais exemple. Voilà, donc ça c'est sur YouTube. Vous allez sur Facebook, qui doit être par là-bas, voilà. Ça c'est la petite annonce Facebook, vous la voyez pas. Voilà, elle est là en rouge. Voilà, je cadre bien. Voilà, donc on se retrouve. Vous me donnez des idées, laissez-moi quelques heures quand même le temps de composer les paroles, d'écrire les paroles. Et surtout, ce qui m'aiderait, c'est de pouvoir trouver les karaokés qui vont avec. Parce que vous me sortez une chanson où je ne peux pas trouver les karaokés, où les instrumentales, ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Et puis j'essaierai tant bien que mal de les chanter, mais je ne peux pas tout chanter non plus. Salut.